Bienvenue dans JNM Sports 101. Jeudi, nous avons une pile nouvelle pour vous. Nous connaissons le 31 janvier qui s'est passé à la, c'était le dernier jour dans le marché hivernal là, côté que nous avons une pile d'îles qui fait, une pile d'îles qui est tournée au monde, une pile d'îles nous avons souhaité qui fait, qui pas fait, et une d'îles tout qui juste pas de cas fait parce que pas de aucune équipe qui était intéressée avec joueur ou bien joueur lui-même pas de aller. Eh bien, pour nous commencer, bulletin jeudi, on a commencé avec Aubameyang. Aubameyang qui connaît assez joueur Barcelone qui sorti dans Arsenal sous forme de prêt. Dis ça témoin qui pas fait parce que Arsenal n'a pas parlé vle pour Barcelone payer tout salaire joueur pendant que nous connaît que Barcelone en gros crise économique là pour ta payer plus que 300 000 livres pour un joueur. So, ça c'était un problème. Mais finalement, l'option qui était venue gagner, c'est quitter Aubameyang aller as a free agent. Mais ça n'a pas de cas fait. Tout. À la fin, Barcelone font façon, malgré une crise économique, là, ils prennent Aubameyang et puis ils payent tout salaire Aubameyang. Aubameyang, on joue 32 ans, qui n'a pas joué football à haut niveau à pendant un bon petit temps. Nous pas suivre qui j'en sais. Après ça, nous avons Eriksen qui tournait dans la première ligue là. Eriksen nous connaît qu'il était une complication sanitaire dans lui-même. Côté que était obligé Crason quitter ça avec Inter parce que il était en condition en Italie qui pas autorisé moun jouer football professionnel, mais en Angleterre c'est différent, pas de problème avec ça. Et bien Eriksen tourné dans la première ligue là, dans l'équipe qui est le Brentford. Et contrat ça son contrat qui a fini dans fin saison là, mais option là dedans puis t'a prolongé jusqu'à juin 2023. Après ça nous gain Ndombele qui quitté équipe Tottenham là qui tourné dans Lyon sous forme de prêt, équipe Tottenham là qui font paquet de mouvements pendant fin marché hivernal là parce que nous gain Dele Alli qui quitté Tottenham non deal qui permanent pour aller dans Everton et dit Dele Alli qui sont joueurs qui quittent Tottenham net. Après ça, nous avons Lo Celso qui est allé dans Villarreal sous forme de prêt. Et Tottenham, nous avons essayé de manier l'équipe là. Nous connaissons la saison, pas bon, j'ai changé de coach. Il a essayé de faire tout ça pour nous voir si on a sauvé la saison jusqu'à présent. Après ça, nous avons deal qui n'est pas arrivé fait. C'est n'a pas parlé de Lingard Kounia. Lingard qui sont joueurs Manchester United qui pas vraiment joué pour l'équipe là, qui pas jamais joué une chance vraiment pour l'imposer dans l'équipe là pendant que saison passée il était prêté Lingard by West Ham. Noté ouais qui ça Lingard t'a fait, Lingard t'a joué très bien, mais Manchester United fait qu'on est que Lingard son joueur qui est important pour eux. Lingard entre dans plan yo. Est-ce que c'est parce que yo perdit Van de Beek? Est-ce que c'est ça qui fait ou dit ça? Nous ne connaissons pas Van de Beek qui s'est joué Everton. Nous ne connaissons pas qui s'est fait ça. Mais Lingard te voulait quitter. Lingard m'a dit quitter. Mais Manchester United dit Lingard ne font pas quitter en Panago. Après ça, l'autre deal encore qui n'est pas arrivé fait que un pile moun a un problème avec un pile fanatique FC Barcelone, c'est Dembélé. Dembélé, nous connaissons un pile rumeur qui te dit que Chelsea tape point Dembélé. Mais d'après ça dit Chelsea pas jamais négocier avec Barcelone, gien Tottenham encore qui pas jamais sous ça, Manchester United pas jamais sous ça, PSG au moins qui t'a passé font swap côté que yo t'a bailler Icardi pour yo prendre Dembélé, mais dit là pas jamais qui arrive fait parce que pas de bon accord qui t'a joué dans deux parties yo. Avait dit Dembélé rester dans Barcelone pendant que tout dirigeant yo pas voulait Dembélé jouer pour l'équipe là encore parce que nous connaît que et agent Dembélé a mandé un paquet de cob pour ta re-signer Dembélé qui dit Dembélé son monde qui pour aller gratis dans fin saison là les l'a quitté as a free agent. Après ça n'a font petit traverser rapidement dans coupe d'Afrique nous connaît équipe qui pour faire demi-finale yo c'est Cameroun Égypte Burkina Faso avec Sénégal. Cameroun et Égypte, ça son match cap joué mercredi à 2h de l'après-midi et nous gagnons Burkina Faso Sénégal cap joué jeudi à 2h de l'après-midi. Eh bien, c'est sous notre ça, n'a mettez fin à bulletin jeudi à. Nous te présentons mercato hivernal là qui j'en fini et tout deal qui t'est fait avant yo nous parler dans l'autre édition qui t'est sorti yo. So rete branché avec nous, like, commenter, partager. Download application JNM Sports and JNM Live. Si vous avez besoin de regarder match en direct, pas oublier
download GNM Live. Ou pas gros doit payer pour garder quel que soit match qui gagne dans mode là. So rete branché, ça c'était yon, n'a pas ton lot pour non l'autre jeu.